Bonjour, on est mardi, mardi, nous sommes lundi, je suis fatiguée, je sais plus ce que je raconte. Il doit être 8h30, même pas. Quelle heure il est? C'est ça, il est 8h30, je viens juste de déposer les enfants à l'école, je vais rentrer à la maison. Je vais aller sortir le petit Jules tant qu'il pleut plus, parce que ça a été l'orage complet là, il fait que pleuvoir, c'est magnifique, on se croirait pas du tout. Fermé, pas du tout. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, l'infirmière doit passer ce matin. Cet après-midi, je dois aller ramener la voiture à Citroën Clermont. Donc, je vais passer mon après-midi à faire ça. Et il faudrait vraiment que je m'occupe de mon linge là, mais mon lit m'appelle là. Je sais pas ce que je vais faire après avoir sorti Jules. Je suis en train de me tâter à me remettre dans le lit parce que là. Je suis fatiguée. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Je vais arrêter de me plaindre comme certains diraient. Enfin, bon, je vous mets au défi de vous faire les journées que je me tape hein, en ce moment-là. Voilà. Surtout qu'en plus, bon, je vous dis pas tout, mais il y a des trucs que je fais en perso que je dirais pas, bref, mais qui me prennent aussi beaucoup de temps. Comme le mardi après-midi où du coup je suis jamais à la maison et je glandouille pas, mais voilà. Et je suis aussi en train de monter un projet personnel sur le, enfin pro, mais personnel sur le côté, enfin à côté on va dire. Et ça me prend aussi beaucoup de temps, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Donc je vous dis à tout à l'heure, peut-être en meilleure forme, peut-être pas. Au final, on se retrouve à la maison, ça va pas focusser et je suis en train de ranger. Voilà, j'ai de quoi faire de toute façon, donc j'ai fait aspirateur, j'attends l'infirmière aussi, elle doit passer, je suis en train de nettoyer, elle doit passer entre 9h et 11h, il est 10h moins le quart déjà, elle est pas là, donc je ne sais pas à quelle heure elle va passer, puis j'ai ma voisine qui est venue parce qu'elle s'est retrouvée, elle avait pas pris ses clés, son mari est parti au boulot pensant qu'elle avait ses clés et elle s'est retrouvée bloquée chez elle, donc elle est venue, elle a essayé de passer des coups de fil pour essayer de voir si elle pouvait pas récupérer ses clés avec les copines et tout, mais bah, elle a pas son portable donc elle arrivait pas à joindre les gens. Bref, donc du coup c'est pareil, j'ai pas pu l'aider. Ça m'embête un peu parce que du coup elle est partie voir une autre personne pour voir si elle avait pas moyen, parce que moi je pouvais pas l'emmener, elle aurait pu l'emmener en fait chez quelqu'un pour aller chercher ses clés, mais bah moi le problème c'est que je peux pas bouger de la maison, je suis bloquée là, je suis bloquée. Parce qu'avec le bol que j'ai, si je m'en vais même 5 minutes, je suis sûre que l'infirmière va passer à ce moment-là. Et Rémi est incapable de descendre, il est incapable de se lever déjà, donc il est incapable de descendre pour, bah pour aller tout simplement chercher, enfin ouvrir l'infirmière. Voilà, donc j'ai fini de faire mon petit ménage, hein, ma petite vaisselle, et puis je vous dis à tout à l'heure, il faut aussi que je regarde, je sais pas ce qu'on va manger ce midi. Je vais peut-être regarder pour faire une purée aux enfants, ils seront contents. Mais purée avec. Peut-être purée poisson pané et moi je mangerai des pois chiches. Je pense qu'ils seront contents d'avoir une purée poisson pané, ça c'est le plat par excellence des enfants et même des plus grands. Voilà. Bon, je vous laisse faire mon ménage. Je suis en train de faire le linge et donc je suis partie. Nous avions une cracotte qui était dans le linge mais un peu plus assise. Et maintenant nous avons une cracotte qui est complètement en train de pioncer dans le linge. Ah, c'est dur la vie ma louloute. Mon dieu, qu'est-ce que c'est dur. Coucou. On va nous filmer en train de jouer. Attendez. Là, voilà. Ah bah tiens, c'est rigolo. Je prends ma caméra, il y a Cracotte qui se réveille. Donc depuis tout à l'heure, elle est dans le linge, hein. Vous voyez bien la tête de je suis à moitié endormie là, j'étais en train de faire dodo. Et de l'autre côté là-bas, j'ai pas fini mon linge. Je suis pas aidée moi ici, je vous le dis quoi, je suis pas aidée. J'ai Cookie. Ouais.
Ça va la sieste là? Nickel. Nickel. J'ai envie de t'embêter. J'ai envie de t'embêter. Mais tu, ça t'embête pas hein? Pas du tout. Pas du tout. Hein mon gros? Mon gros chat. Ah oui. Bah oui. C'est dur la vie ici hein. Oh, mon dieu. Qu'est-ce qu'ils sont malheureux ces petites bêtes de poils là. Hein? Hein mon loulou? Oui. Et là nous avons... Nous avons Jules. Bonjour Jules, comment vas-tu? Ça va? Oui. Bon sinon, les enfants sont en train de se laver les dents. Il pleut. Encore et toujours. Voilà, nous ne sommes pas en vigilance orange, mais nous avons des beaux, beaux, beaux orages, voilà. Donc il pleut à fond. Et moi, sinon, je devais aller chercher la voiture, mais j'ai toujours pas de nouvelles de Citroën. J'adore, j'adore. Voilà, donc j'espère qu'ils vont pas m'appeler trop tard. Moi, j'avais pas vu. Donc oui, j'espère qu'ils vont pas m'appeler trop tard parce qu'il faut que j'aille rechercher les enfants à l'école après. J'avais pas vu, je croyais que j'avais à peu près fini mon linge, de toute façon j'ai encore une panière en bas qui m'attend. Non, je... Non. Je sais pas si je vous fais voir. Je vous fais voir, allez. Voilà. Donc vous voyez là-bas, là, c'est un tas de linge à plier. Voilà. Là, c'est plié. Ça, c'est à plier. Ça, c'est à repasser et à plier. Là-bas, c'est repassé et c'est à remonter. Et en bas, Jules, on a encore l'équivalent de la grosse peignière qu'il y a là-bas à plier. Hein? Bah oui. J'ai 3 jours de retard, en fait. J'ai pas fait mon linge depuis... vendredi. Voilà. La dernière fois que je l'ai plié, c'était jeudi. Et ben voilà, l'état du linge dans une maison de 4. Voilà. Et nous avons les deux loulous qui sont en train de revenir. Je sais pas si vous avez entendu. Lily vient de dire. Eh hey, Lily, tu viens de dire quoi? Le poulet qui s'est arrivé dans ta chambre sur un poulet. Sérieux. On va aller mettre la couche pour la sieste à l'école. Même si tu veux aller faire caca. Eh ben je t'en prie, va au WC. Et on enlèvera le bavoir. Oh, elle est excitée comme une cloche. Est-ce que tu te rappelles où j'ai mis mes voitures pour bien? Ah je sais pas. Il y a des voitures là, je sais pas où tu les as mises. Bon je vous laisse, je vais essayer de finir un peu le... Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Est-ce que je peux faire le linge, mademoiselle? C'est possible? J'adore son regard du style tu me parles pas toi. Je suis en train de dormir. Oui, donc là on attend. Il est là. J'ai un petit parapluie. Donc oui, nous attendons qu'il soit à l'heure parce qu'on est dans la voiture mais non, les portes. Non. Oui, oui. Tu... Attends, je le prendrai, je l'ouvrirai dehors. Donc oui, là on attend que ça soit à l'heure parce qu'il pleut mais. Il pleut, il pleut à fond. Si si, tira tout, moi je me prendrai la capuche, c'est pas grave. Et du coup bah, les enfants vont aller à l'école, on a mis les petits impairs, mais là en ce moment bah, c'est le déluge. Et donc comme je vous disais, j'ai toujours pas de nouvelles de, du garage, donc bah, je vais donner à 15h. Non non mais du coup j'espère que je pourrai aller récupérer la DS5 aujourd'hui et pas trop tard. On verra. Surprise! Coucou, je viens de passer à la pharmacie pour Rémi, je devais aller rechercher son... comment ça s'appelle ? Ces piqûres pour la phlébite là, bref, il m'en manquait 2, j'en avais pas la dernière fois. Comme vous pouvez l'entendre, il pleut toujours, c'est magnifique. Je suis aussi passée à Carrefour, je devais aller voir pour mon neveu qui va avoir 6 ans. J'étais partie pour lui acheter son cadeau, il veut un coffret spécial de Pokémon et un double lanceur de toupie Beyblade, voilà. Bah j'ai pas trouvé. Voilà, et j'ai fait Carrefour et 2 magasins de jouets, je n'ai pas trouvé. Donc elle m'a dit qu'il y en avait, sa maman, donc ma soeur m'a dit qu'il y en avait à Géant, Clermont, Nakara, pour ceux qui connaissent. Donc je vais essayer de passer tout à l'heure à Géant, parce que c'est bon, Citroën, je les ai appelés. Donc la voiture est en cours de nettoyage, on va dire, là, elle est finie, mais il faut que j'aille chercher les enfants. Donc je lui ai dit, je viendrai après, je vais d'abord aller chercher les enfants et j'y retournerai toute seule. Et il faudra du coup que je passe à Géant pour aller acheter le cadeau d'Axel.
Et voilà, je crois que c'est tout. Donc là, je rentre à la maison, je vais déposer les médicaments de Rémi, je me pose 5 minutes, enfin 5 minutes, ouais, même pas. Et je repars chercher les enfants. Et après, on fait dans l'autre sens. On ramène les enfants à la maison. Il faudra que Lucas commence ses devoirs. Donc, ben, il montera pour commencer à les faire avec Rémi. Et puis, ben, moi, après, j'irai tout simplement rechercher la petite tétine. Voilà. On va y arriver aujourd'hui, on va y arriver. Mais je suis contente de moi, j'ai fini mon linge. Enfin, mon linge à plier. Maintenant, il me reste encore, allez, une panière et demie, deux panières de linge à repasser. J'en ai déjà fait deux de panières. Et je vais vous faire, il faut que je commande en fait des cintres. Donc j'attends, il faut que je les commande, il faut que je prenne le temps. Je vais vous faire une vidéo sur l'organisation des dressings des enfants. Surtout que là, je suis en train de changer, vraiment, on est en train de racheter des vêtements. Quoique là il commençait à faire beau, mais là vu le temps je suis obligée de... Hein, voilà. Vu le temps je suis obligée de... Vu le temps je suis obligée de ressortir les affaires chaudes. Hein, moi j'ai ressorti ma grosse veste pour avoir... Parce qu'il faisait pas... Il faisait pas super chaud. Bref, mais je vous ferai une vidéo du coup organisation de dressing des enfants. Et mes petites astuces et tout. Voilà, c'est pareil, il faut que je passe à l'action. Mais à chaque fois que j'y vais, il n'y a pas la couleur de boîte que je veux. Enfin bon bref, on va y arriver hein. Mais du coup je vous ferai ça, ça va arriver. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment, j'ai plein de trucs à faire et j'ai plein de vidéos à faire. J'ai des vidéos qui sont montées, mais enfin qui sont faites mais qui sont pas montées. J'ai pas le temps là, j'ai pas le temps, l'ordinateur rame. Mais ça va arriver, je vous le promets, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, il faut que je ressorte et que je rentre chez moi. Coucou, on se retrouve, il est 6h25, on est dans la tétine, voilà. Oui, on est dans la voiture. Ouais, il y en a trois autour de nous. Il y en a une là. Oui, on va aller chercher un kebab. Et là-bas, il y en a une autre. Voilà. Et nous, elle est là, elle est toute propre. Mais en fait, j'ai fait un petit peu ma râleuse parce qu'elle avait pas été lavée. Donc, je leur ai demandé qu'ils me la lavent parce qu'en plus, ils l'avaient toute salie. Voilà, donc je ferai l'intérieur, elle sera toute belle, toute propre, c'est bon, elle est réparée. Mais je te pose une question, est-ce que là-bas c'est la même que nous en hybride? Non, c'est pas une hybride. Oh, bah, les deux sont tu fais quoi? Sinon, on a trouvé un bout du cadeau d'Axel, donc Axel ne regarde pas les vlogs hot, peut-être qu'elle les regarde, mais de toute façon, voilà. Donc on lui a pris ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc on l'a trouvé, heureusement que je l'ai appelé parce que je ne le trouvais pas dans le rayon. Et il faudra que je lui achète un lanceur et je vous ferai voir parce que j'ai acheté d'autres choses, mais bah, je vous ferai voir à la maison. On a trouvé des cornichons pour Miss Lily et Mister Lucas, mais c'est pas les jardins d'Orient, je sais plus. C'est Mémé Georgette, mais à Carrefour il y en a pas. Là on est à Géant, à Clermont, à Nakara pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je vous laisse et on rentre hein, parce que Lucas n'a même pas fini ses devoirs. Voilà. On vient de rentrer, je vais voir en pièce avant d'aller manger parce qu'il y a le repas. Il a remonté. Donc on a pris des cornichons Mémé Georgette. Voilà, pour mademoiselle Lily. Moi je vais tester la mayo vegan de chez Mémé Georgette. Donc on verra ce que ça donne. Pour Rémi, je lui ai pris du lait. Il m'a demandé du lait. J'ai repris du beurre Saint-Hubert parce qu'à Carrefour il n'y a pas demi-sel. Et j'ai repris aussi de la pâte de curry. Bon, j'en ai à Carrefour aussi, mais je suis passée devant donc je l'ai pris. Et donc, du coup, il y avait aussi le truc pour Axel. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. On va manger. Bonjour. Alors, on va faire des blagues. Non, on va pas faire de blagues justement. On va faire une petite histoire, mais on va pas faire de blagues. Mais il est trop tard. On peut pas prendre de blagues parce qu'il est tard là, donc ils vont aller dodo les enfants. Alors, et Lucas il est sûrement en train de finir ses devoirs. Donc du coup Lily elle va vous dire au revoir. Elle va vous faire un bisou. Qu'est-ce que t'en dis? Moi j'ai les cheveux tout ras, plat, je me suis pris la flotte. Tu vas faire un bisou, tu dis bonne nuit. Et après salut Lily, va dire bonne nuit. Elle est une petite malpolie. Bonne nuit. À demain. Je suis un bébé. T'es un bébé? Ah là là. À demain. Bisous. Bonne nuit. À demain. À demain. Gros bisous. Et on fera les blagues demain. On essaiera de s'y prendre plus en avance parce que là on est rentré trop tard. Ouais. Voilà. Gros bisous. Gros bisous.